Monsieur Julien, tu vois comment il fait hein, moi, Ahmad. Il est en train de faire la pâte sur le feu. Attention, hein, parce que je sais très bien faire les pizzas et la pâte à pizza. Ah oui, ouais. Oh, c'est tout un truc ça. Ouais, mais en fait, le papa du frère de Benita, qui est italien, ouais, m'a amené la bonne levure farine et m'a montré comment faire. Ah d'accord. Donc si tu veux, maintenant, je sais faire... Italiennes et puristes. Oui, tu c'est sais vrai. Faire quoi? Les pizzas. Ah, pizza. Très, très bien. C'est pas comme la pizza burger. Non, c'est en fait, il y a une pâte à pizza qui est un peu comme ça. Ah oui, je sais. C'est une pâte vraiment spéciale. Ouais, chez nous aussi, on a la vraie pizza. Les pizzas. Oh, ouais. T'as déjà fait la pizza à truffes? Aux truffes? Ouais. Ah, bah. Alors l'autre, il est raffiné. Ah, bah, ils nous essayent de nous en foutre plein la vue. Le Younes. As-tu mangé de la pizza aux truffes? Non, mais j'ai pas les moyens, mon ami. Hein, alors. Peut-être qu'on trouve des truffes dans le désert de la Merzouga, mais. Ah bah dis donc. En Normandie, il n'y a pas de truffes. Et ça coûte 1000 euros le kilo, la truffe. 1000 euros. Plus que ça, non? Oh, oui, c'est parce que c'est par gramme, t'achètes. Oui, la pizza à la truffe, l'automate. Chez nous, il faut vraiment être au fond du désert pour entendre ton guide qui dit: as-tu mangé de la pizza à la truffe? S'il vous plaît, la pizza à la truffe. Voilà ce que je vais mettre moi dans les commentaires. Guide qui a essayé de m'humilier, de me rabaisser. Je vais dire une chose, j'ai jamais bouffé de truffe, pour te dire. Moi non plus. Ni de caviar. Si une fois du caviar, j'ai pas aimé.